Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, donc comment faire son poulailler en 15 minutes. Mais avant cela, le petit générique, à tout de suite. Donc d'abord, je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin. Donc vous aurez besoin d'une brouette pour stocker la paille. Prendre la paille et donc après d'une balayette, d'un balai et d'une sorte de pelle pour prendre le foin et le mettre dans la brouette. Après, bien sûr, pour on va dire la fréquence, vous devrez environ nettoyer votre poulailler une fois par semaine, mais tout dépend du nombre de poules que vous aurez dans votre poulailler et de la taille de votre poulailler. Donc si vous voulez des renseignements, vous pourrez rechercher sur Google, il y a toutes les informations et tout le reste. Donc là je vais vous faire un petit avant après. Du coup là déjà c'est l'avant, du coup vous voyez que il y a un perchoir et la paroi est remplie de crottes de fientes et sur la paille on voit aussi beaucoup de fientes qu'il faut surtout enlever et les pondoirs je vais aussi les nettoyer. Donc on enlève la paille et je retrouve juste après. Après avoir enlevé le plus gros de la paille, on va obtenir ce résultat qui est quand même assez sale. Puis je passe un coup de balayette pour enlever les petites impuretés qu'il reste. Ensuite je continue à enlever la paille sur les pondoirs et on continue jusqu'à ce que ce soit propre. Pareil, je repasse un coup de balayette. Et je fais de même avec le second pondoir. Maintenant, je vais prendre un seau d'eau et la baguette et je vais frotter la paroi qui est remplie des fientes qui ont coulé sur la paroi et je nettoie ça. Puis je prends de la paille que j'étale sur le sol comme sur les pondoirs et je vous montre le résultat juste après avec un avant après. Certes, tout n'est pas parfait, mais c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bye bye tout le monde.